attends 10 minutes. Tout est différent. Ouais, c'est ça, avec le vin, il faut attendre. Passer d'expérience avec le vin. J'ai eu une réaction avec l'air. Ça change de goût. À un moment donné, j'ai acheté une bouteille, genre 60 euros. Genre chez Ross, la bouteille. Puis je l'ouvre, je la goûte. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est juste quoi. Puis là, j'ai pas mis de piste. Donc, je laisse la bouteille là. Elle revient, genre, le lendemain matin. Le vin était dessus. Il était encore là, la bouteille? Ouais, j'ai juste essayé. Ok, vas-y, vas-y. Ah, j'ai essayé là sur le bureau, ouvert, genre straight up et ouvert. Je croyais que ça avait laissé comme un retard. Surtout du mangeage de chips qui se donne. Mais souvent les premières 15 minutes c'est jamais bon. C'est vrai ça. Genre, t'as besoin de temps pour rentrer dans quelque chose. Mais déjà de base. On est rendu épisode combien? 12? Déjà 12? Je pense, ouais. Quand même. C'est pas si bon. Ouais, c'est, ça va peut-être devenir meilleur un jour. Un jour ça va peut-être devenir bon. Peut-être. Probablement pas. Chacun lise trop, il est. Mais je suis sûr que si on fait toutes les semaines, ça devient bon au bout d'un moment. On peut juste s'habituer. Hein. C'est bizarre pareil, moi. Joe Rogan, il en vient à combien? Genre 3 par semaine, hein, some shit. Non, lui, il est moitié. Mais le pire, c'est que si t'écoutes les premiers, c'est straight up la mort. Oh shit. Ouais, c'est juste lui qui parle devant un laptop. Mais il fait une bonne job là, aussi. Finalement, on a pas de café, mais j'ai du. J'ai du energy drink avec. Non. C'est pas toi qui. T'es pas mort sur le kratom la dernière fois? Ouais, j'en ai jamais pris de. Ça, c'est du goût. Du goût? Ouais, c'est du goût. C'est du riz de goût? J'ai acheté une canne entière, mais le problème c'est que la canne entière est trop forte pour moi. Fait que j'en ai bu genre 3 gorgées, puis j'ai crissé le reste là-dedans. Ouais. Ça t'a frappé les 3 gorgées? Ouais, les 3 gorgées elles frappent en tabarnak. C'est du goût ou du. Moi, je sais pas, moi je suis intolérant. Quand c'est la dernière fois, j'en ai pris, je pense, 2 ou 3. Ah, mais ça donne pas. Mais au bout d'un moment, la caféine fait plus rien. C'est mais je m'attendais à plus quand j'ai essayé un coucou pour la première fois. Je croyais que j'avais vraiment un plein d'énergie. Ouais, même moi. Ça m'a juste comme, je sais pas. C'est non, je sais pas, moi j'ai une masse d'énergie à chaque fois que j'ai essayé là. Mais l'affaire, c'est que c'est comme. Faut s'attendre à un café là. Faut s'attendre à comme si t'avais bu un gros café. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, j'ai cru du café aussi. Ouais. Non, tu n'as pas bu le café, c'est moi qui l'ai bu. Ouais, j'ai bu genre la moitié. Donc j'ai bu beaucoup en tiré. Mais écoute, la moitié d'un truc qui café, plus. Ouais. 2-3 gourous, c'est ça. Mais c'est. Pour de vrai, si 2-3 gourous ça fonctionne pas, c'est juste que genre tu resteras pas réveillé. Ouais. Ça faisait 3 jours t'as pas dormi avec là. c'est ça, c'était fatigué à ce moment. Plus ça. Ouais, ça c'est straight up ça. Good bud. C'est quoi ça? C'est du dérapé. Avec sommeil. Avec somnolence. Pourquoi tu penses ça? Je prends les allergies pour dormir. Je croyais que tu voulais en prendre maintenant. Je croyais que tu voulais en prendre maintenant. Ah oui, je vais en mettre. Pourquoi? Tu rajoutes pas ça au mélange. Non, mais pas au mélange, dans mon verre. Ah ok, fair enough. Fais ce que tu veux avec ton verre, là. Tu crisses pas de la drogue dans mon verre. Mais ça lui plaisir. Tu veux quoi avec les shrooms? Ben, je vais les mettre dans le drink. Non! Mais bon, tu veux que je les mette, les shrooms? C'est ça, tu les mets où, les shrooms, ouais? Dans le drink. Ça se place où les mettre, là. De toute façon, c'est pas bon tout seul, les shrooms. Faut que tu mélanges avec quelque chose. Ouais. Moi, j'aime pas le goût, là. Tu fais du thé. Je fais du thé. Tu sens le. Tu peux les mettre sur la pizza. Moi, j'avais essayé dans du bigos. C'est quoi du bigos? C'est un mec polonais.
Pensez pas quelque chose d'ultra spécifique. Non, mais c'est genre de la... C'est quoi le mot? Tu sais, la capusta, là? Les choucroutes, genre, un truc. Ah, ok! Ok, c'est de la choucroute? Ben, c'est à base de ça, là. Mais il y a d'autres trucs dedans, là, de la viande, puis d'autres trucs. Ok, c'est comme la choucroute, mais avec plus de viande. Plus de protéines. Ouais, d'autres trucs. Mais c'est, y a-tu du chou? Parce que au début, le bigot, c'était genre... C'était comme une tradition, parce que tu mettais tout ce qui restait dans le frigo, genre. Tu mettais tout ensemble. Avec genre du... de la choucroute, genre. Pis ben, t'as du bigot. Mais c'est ce que certaines personnes appellent du stir-fry. Ouais, tu mets tout ce que t'avais dans le frigo. Pis c'est comme slow cook, genre, pas... C'est devenu une tradition polonaise. Parce que maintenant, ça a plus du sens, là, il y a comme... Ça a plus n'importe quoi dedans. Ouais. Mais, tu sais, les Epic Games. Fortnite Winter Royale. Hein? Parce qu'ils savent que tu veux jouer à Fortnite, ils savent, ils comme... Oui, ça fait genre des mois que j'ai connu. On va aller bloquer ça en mode sport. Fortnite, le gros jeu. T'as besoin de plus d'abonnés, ça commence à se ralentir. Ouais. Ben, je sais pas. T'as ralenti? Oui. J'ai straight up pas envie de jouer à Fortnite. Mmh. Ouais, mais le problème, c'est juste que... Ça passe. Je jouerai pas à ça tous les jours. Non. Charger le bongo. J'aime bien Overwatch. C'est nice. C'est plus à FIFA que je joue. Je suis jamais rentré dans FIFA. Non, je crois qu'il faut te suivre la ligue pour plus aimer ça. Tu sais, si t'aimes pas le soccer de base, tu vas pas aimer ça, c'est sûr. J'ai joué au FIFA sur DS. Je pense que c'était genre 2008-2006. Ouais, 2008-2006, c'était des vieux FIFA, là. Ce qui était au pire, c'était les passes dans les airs. Si t'avais trois personnages, puis tu faisais des passes dans les airs en triangle, tu pouvais pas perdre. La technique. Tu marquais un but, puis tu stades après. Ouais. Non, mais des fois, tu marques un but, puis tu stades. Puis là, en stallant, tu vois une occasion. Fait que tu marques le deuxième but, puis là, tu continues de stade, lui, après. Ou ça, c'est les meilleurs games. Ça, c'est meilleur jeu. Sinon, tu parques un but avec le goal. Ah, mais ça, c'est pas facile. Tu déjoues toute l'équipe. Ouais. Non, ou sinon, tu fais des passes au goal, puis tu refais des passes au goal. Mais ça, ça marche pas dans FIFA. Dans FIFA, le goal, il est pas déterminé à ce point-là. Dès qu'il lâche la balle, il fait juste s'en aller retour, et il retourne automatiquement dans le goal. Mais tu peux contrôler le goal. Mais du coup, juste contrôler le goal, si tu veux. Ouais. Mais dès que tu le lâches, il retourne, right? Ouais. Il a peur, là. Yep. Il retourne. T'as fini ton bongo? Une dégage. On est petit coup. Attends, try ça. Try this. Oh, t'es le god. Le god bud. Ouais, je me lance, on va faire demain. Il est bon? C'est peut-être le Benadryl. Non, j'en ai pas mis pas. Ah, t'en as pas encore mis? Non, j'ai juste qu'il était pas corsé. Non, il est moins corsé que l'autre, right? Mais celui de la dernière fois. Le fil de la dernière fois, il était quand même corsé. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était le vent qui était différent avec. Il y a combien de degrés dans ce vent-là? Combien de degrés? D'accord. 13%. Ah, c'est pas beaucoup, déjà. Non, c'est ça. Puis il y a la moitié dedans, fait que là, si on boit du 7%, c'est comme si on buvait de la bière. Ouais. Ouais, c'est quoi le meilleur. C'est moi, je suis team fuck bière. Mais, je sais pas, la type bière, ça goûte même bon. C'est juste que c'est un goût spécifique, right? Faut aimer ça. Mais moi, j'aime, des fois, j'aime boire de la comme... De la... Comment ça s'appelle? La boréale. La ale, genre.
Un truc que les white persons aiment boire, genre. Comme le plus haut pourcentage. Ok, ouais. Le triple ale, genre. Ouais. Tu sais, ça goûte fort, mais ça goûte bon, je trouve. Genre la bière Unibrew, genre. Ouais, genre. C'est comme 10%. Non, c'est pas l'Unibrew, c'est l'autre, quand tu parles. Ouais, c'est l'autre affaire, mais c'est la même chose. Mais c'est plus comme. Ouais, c'est 10%, c'est ça, t'as raison. Ouais, ça doit être c'est ça. Mais tu mets tout dans un verre, tu fais pas juste des deux doses dans deux verres. C'est censé faire genre 10 doses, moi c'est 3 doses. Tabarnak, dude. T'as fait quoi ça dans la vie de Benadryl? Peux-tu me trouver le Benadryl? Tu sais comment ça marche, drugs.com? Mais ça, c'est supposé de faire quoi? Juste, genre, check le. Non, mais j'en prie, c'est de la. Ouais, c'est supposé de t'endormir ou quoi? Non, c'est genre pour les allergies. Et du coup, ouais, il y a des personnes là. Ah, c'est celui pour enfant, tu devrais celui pour enfant, celui pour adulte, c'est plus. Non, celui pour adulte, une grande. Ah non, c'est H, ouais, puis. Trop fort. Faut juste en mettre moins. Avant, c'était quand j'avais encore mon premier stage de coding, je mettais les deux ensemble et. Genre, tu peux demander à Jules, il y en a plein du. Il a pas de la coding, lui, il a de quoi plus. Non, mais c'est ça, il faut que tu l'as. Dans le coding, j'apprenais de la ressource, genre, il est pas plus lourd que ça, comme c'était prescrit par le médecin. Ouais, mais c'est la même chose, il a de quoi prescrit par le médecin, mais c'est autre chose. Non, c'est de la morphine, etc. Benadryl, t'as dit. Ouais. Il y a des Benadryl pour chien aussi. Diphénhydramine. Ouais, c'est ça, diphénhydramine hydrochloride. Utilisation est faite, tu vois. Ben. Partie au groupe de médicaments appelés antihistaminiques. Antihistaminiques, quoi. Les gros mots, là, ils n'inspirent plus avec les gros mots. C'est pour dire que c'est comme anti-allergique. Les antihistaminiques s'utilisent pour traiter les symptômes de l'irritation oculaire, des éternuements, un écoulement nasal, des éruptions et irritation cutanée. Ah, j'avoue aussi irritation cutanée. Mais c'est quoi cutanée? La peau. Coupure. La peau. Ouais. C'est quoi, genre? Moi, c'est une irritation. Ah, c'est comme un rash. Sous forme de crème. Ok, mais ça c'est pas une crème. Non, ça c'est pas une crème, mais tu pourrais le mettre dans une crème. Ouais. Ouais. Tu pourrais mettre genre dans du Benadryl un agent épaississant, genre, pour que ça devienne comme plus. Fluffy. Non, mais tu vois, pour les rashs, tu mettrais plus de la crème, mais genre pour les premiers symptômes. Ouais. C'est sinon, faudrait que tu manges la crème. C'est ça, puis je pense pas que. Tu vois, ça va être ça. Ben, il est disponible sous divers noms de marques. Ouais, c'est clair. Il se pourrait que votre médecin ait suggéré ce médicament. Dont Benadryl. Ne donnez pas ce médicament à quiconque. Même à quelqu'un qui souffre des mêmes symptômes que les vôtres. What? Ici, il y a une madame qui se met des gouttes d'eau dans le nez. Je sais pas si c'est tout ça, par rapport. Tu peux juste trouver les side effects? Je veux les side effects. Tu dis des gouttes d'eau, Benadryl? Mmh. Ouais, peux-tu prendre le nom et chercher sur drugs.com, on va avoir les side effects. Drugs.com? Ouais. Ah, mais c'est pas le nom de l'agent. Hmm? Si tu cherches Benadryl sur drugs, il y aura plus de l'agent. Non, faut pas que tu cherches Benadryl, faut que tu cherches le nom du. Ok, faut que tu cherches le truc. Ouais, le nom de la molécule que je t'ai dit. Ouais. Cherche-toi à chercher. C'est compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Benadryl, ah, c'est le nom ici, là. Diphénhydramine. Ouais. C'est l'hydrochloride de ça. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il y a quelqu'un qui est vraiment fâché. Parce que je dis c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est le premier. Pas ça? Huge selection and great price. Ok, non, ça c'est comme pour c'est des ads. Free shipping on eBay. Ici. Use this dosage side effects, c'est ça? Ouais, c'est ça que tu veux. Puis tu peux aller dans side effects. Non, c'est en haut. Ouais, quoi. Ouais, peut-être. Side effects include sedation, sleepiness, dizziness. Ouais, c'est toi qui me disais que ça endormait. Disturbed coordination. Ouais, à part ça, là, comme side effect, moi je pense pas que j'en ai side effect. Et aussi disturbed coordination. Je pense que side effect, c'est du fait. Ouais, c'est du fait. Epic.
epigastric distress. Je sais pas ce que ça veut dire, epigastric. Genre le ventre. Gastrique. Tu peux le chercher sur internet. Thickening of bronchial secretions. Sécrétion bronche, des bronches. Il y a la coordination en fait. Ouais, tu vois, donc. Non, mais toi, c'est ça. C'est que j'étais sous Benadryl. Aussi? Bah oui. Ok, attends. T'avais Benadryl, alcool, weed. Ouais. Ok, mais t'as beaucoup de chance. Ah, et gourou, en faux oubli, j'ai pris gourou pour essayer de counteract le Benadryl, mais ouais, attends. Gourou pour counteract. Gourou pour counteract le Benadryl. L'alcool booste le Benadryl et le gourou. Fait que c'est correct, c'est parce que ça sonne nul encore, les deux sont plus chers. Je me suis dit, genre, je voyais que j'avais foncé dans le mur, mais genre, je pouvais juste rien faire, genre, j'ai même pas pu tourner. Par contre, tous les Loss of Control se stack. Mais exactement, là, c'est aucun moment. T'as le weed, mais le weed, c'est weird. C'est comme si le monde qui se focus sur ce qui se passe, sont pas meilleurs, mais pareil, à se focuser sur ce qui se passe, mais le monde qui se focus pas sur ce qui se passe. Ah, c'est pas mal, ouais. Mais ça goûte pas identique. Dans les jeux vidéo. Moi je me suis pas caché dans le mur. Oh non, mais j'étais là par exemple, genre. J'étais high. Dans les jeux vidéo, si t'es pas high, quand quelqu'un qui est high, le jeu qui est pas high, va te massacrer, tu le dégaines niveau normalement. Je sais pas. Je sais pas, de... Il me semble que ça fuck ton problème. Je peux le googler. Je peux le googler. Ok. Ouais. Google it. A reaction time when when high on cannabis. Rush, quoi que t'as dit? Reaction time. Je sais pas, tu dis tes mots si tu veux, tu sais tes mots là. Reaction time. Reaction time. On cannabis, genre, tu sais. Mais je sais pas, moi je suis toujours mauvais à googler des shit, peut-être que tes mots seraient meilleurs pour trouver son chat. J'ai écrit reaction time, oui. Ouais. Non mais cannabis c'est le nom officiel au Québec enfin. Ouais. Ou marijuana. Ouais. C'est pas marijuana. Ouais. Cannabis. Cannabis. Cannabis plus que marijuana, c'est pas? À TV, c'est cannabis. C'est pas ça. Le gouvernement il a passé du cannabis. Ouais, mais c'est sûr. Le marijuana c'est quand même. Genre le, déjà le premier effet sur marijuana. Ouais. Mais c'est plus au Canada, genre. Non, mais c'est tout c'est écrit marijuana. J'ai écrit cannabis, c'est juste écrit marijuana. Ouais. Mais si tu pensais à. Mais voilà. Ah, c'est PubMed, ça. Ça, c'est une bonne source. Ouais. Le PubMed, c'est une bonne source. Point .gov. Ouais. Il va voir. Ah, c'est pas une PubMed. Ouais, PubMed, c'est comme mettons que t'es un scientifique et tu utilises de quoi. Ben, ça se ramasse tout sur PubMed. C'est pas qu'il y a comme toutes les revues. Toutes les scientifiques, toutes les revues publiques. Ils disent que the results showed that simple and complex reaction time was not significantly affected by marijuana or by the interaction between drug conditions and the amount of information transmitted during the task. Mais ça, c'est le A. Et j'imagine que ça dépend de qui, là. Le B, the linear movement time was significantly reduced. Linear movement marijuana. C'est-à-dire quoi, linear movement? Linear movement était réduit après avoir pris du. Ça dépend mais si tu vises avec un mouvement linéaire. Je sais pas c'est quoi un mouvement linéaire. Mais non. Comme ça, là? Ouais, c'est. C'est comme un mouvement constant. Je sais pas. Complexity was insignificant in the case of both linear and rotary movements. Mais ça parle des mouvements comme du corps. Ouais. Si je fais un mouvement de rotation, c'est good. Et si je fais un mouvement linéaire, c'est pas good. C'est n'importe quoi. Tu sais, quand tu poses des questions, puis qu'il y a actually la réponse, puis que la réponse est comme pas satisfaisante. De ça dans une conversation random, le dude est comme genre ah oh, mais là le weed ça réduit les reaction time, puis tu dis non, pas pour les mouvements de rotation. Juste les linéaires. Comme... Mais c'est n'importe quoi alors. Mais je dis si tu tournes le volant, c'est un mouvement de rotation non? Ben ça dépend. Mais tes mains elles sont linéaires, c'est droite. Ouais t'as raison.
Parce que ça fait juste un vecteur qui va dans cette section. Ouais, c'est juste des lignes. Mais je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas. Je sais pas. Il y a peut-être une meilleure réponse. Ouais, tu pourrais aller plus loin, il y a de la méthodologie. Là. Tu pourrais aller voir c'est quoi l'expérience qu'ils ont fait, puis avec ça, recréer la, c'est la juste conclusion des études. À chaque fois qu'ils me donnent. C'est un bon chef. On étudie quand même qu'il va avoir un match avec Dewey de son vie. Ben là, faudrait lui faire arrêter de prendre Dewey pendant comme une semaine pour avoir le. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que les seules choses qui seraient valides, ce serait une étude sur une seule personne. Parce que c'est toujours la même personne. Toi, tu peux le savoir si les reaction times sont réduits. Ah, mais sur une personne. Ouais, mais après, c'est vrai, dépend. Ou sinon, tu le testes sur vraiment plein de monde, puis tu fais une moyenne. Personne, c'est pas exactement, ça, je pense. Mais même la moyenne, elle sera pas accurate, ça sera juste une moyenne. Ça te dira pas si telle personne sera affectée. Au pire, ils mettront une astérisque, ils diront si tu peux dépendre de personne à personne. Ouais, ou tu dis le pourcentage de monde quand ils sont affectés. Ouais, aussi. Ça dépend vraiment de la personne. Ouais, c'est ça. Ouais, je commence à penser à plein d'affaires, là, t'as aucune chance. Right? C'est comme bye bye. Tabarnak. Fait que c'est ça. Tu fais un mouvement de rotation tout aigu. C'est linéaire, c'est tout bon. Non. D'après les recherches. C'est ce que je te dis. Mais ça fait quoi exactement? Je t'ai lu ce qui était écrit, là. Qu'est-ce que je te dis? On a une bibliothèque, genre, illimitée, à portée de bras, on n'arrive pas à trouver la réponse. Je te donne toutes les réponses. Mais t'as pas tout lu? La réponse est simple. L'abstract. Ouais, c'est l'abstrait. Il essaie d'expliquer en abstrait ce qu'il fait. C'est comme ça quand il. C'est pour ça qu'il dit genre un mouvement de rotation. Genre, ça veut rien dire, mais c'est supposé évoquer vaguement ce que ça veut dire. Bon. C'est une abstraction. Ça peut être n'importe quoi, un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation, ça peut pas être n'importe quoi. Mais comment il sait? Si je marche, c'est pas un mouvement de rotation. Mais ça n'a aucun sens. Il y a aucun moment où j'ai rotaté pour marcher. Genre, ta jambe elle rotate quand tu marches. Ouais, sur un axe. Mais ça veut-tu dire que tu peux pas marcher quand tu fais? Ok, ouais, si tu mets l'axe au milieu, I guess que ça retarde, mais pas vraiment, parce que c'est juste en fait, c'est un bâton qui est connecté au milieu, genre. Ouais. Ouais, non, tu peux. Mais de toute façon, ils ont dit que ça pouvait affecter les trucs linéaires, on sait pas. Ouais, c'est pas genre, tu peux pas. Ouais, c'est pas du seul linéaire, c'est ça. Tu peux straight up pas faire de mouvement linéaire, mais tu peux spinner. Le dude, Easton, il peut pas marcher, il peut juste spin. Non, là, il est high. Mais ils disent en gros que le reaction time était pas significantly altered. Ok. Alors en gros, ça a pas de temps à changer. Ok, mais j'imagine que le monde ça change avec. Mais pas la personne. Mais surtout si quelqu'un est pas habitué en fait, je pense. Ouais, je pense que t'es habitué, c'est big good. Si tu filmes à chaque jour, tu sais comment à peu près comment fonctionner. Même si t'es vraiment gelé. Ouais, ouais. C'est ça la réponse. C'est ta première fois. Non, je sais pas, même si tu fumes tous les jours, mais que là, cette fois-ci, t'as pris des bourses, je pense que t'es pas. Ça dépend combien de débourses t'as pris. Ça dépend toujours de la quantité des débourses, là. Tu te rappelles quand même, c'est comme une tue. Ah, c'est de la merde, vous voyez, des bourses, c'est du garbage. Il a mangé un débourse de biscuits. Il prend des biscuits, il est en train de mourir, genre. On écoute des vidéos pendant 3 heures, on est genre, what the fuck, il est rendu le connaît. Puis genre, c'est 3 heures, il est en train de vomir dans sa demain. Il a bu combien de faux locaux avec? Deux, je pense. Bon, c'est pas les faux locaux qui l'ont fuck up, alors. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux qui l'ont fuck up, c'est clair. Mais les débords, c'est clair que les débords n'a pas aidé, là. Non, on lui a fait goûter, je t'ai fait goûter aussi si t'avais des débords, là, right? Ouais. Et les biscuits. Les biscuits, hein. Ouais. Mais c'est la seule fois où j'ai réussi à faire des biscuits qui fonctionnent, en fait. Ouais, on parle dernièrement, il a fait des biscuits. Ouais. J'ai arrivé de fumer, là, il y avait un problème. Ouais. Yeah. Il avait le problème de poumon parce qu'il respire du gyps la journée longue. Le dude est en construction, il porte pas de masque, c'est clair. Que le problème c'est weed, c'est clair. Non, mais tu sais, ça aide pas là. Donc. Non, c'est clair, ça aide pas. Mais la fumée de gyps non plus, elle aide pas là. La poussière de gyps là. Là, y'a pas tant de gyps.
La poussière de bois, la poussière de métal, la poussière. La poussière en... Ils font de la construction ou pas? Ben, ils font de la peinture, plus de la construction. Ok. Ouais, ben, les... une compagnie de peinture. Ah, ils ont une compagnie de peinture. Mais les émanations de... Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas vrai. Ouais, yes. Je sais pas. La peinture, je sais pas. Le jeep, c'est sûr. Je pensais qu'il était inventé, ça. Ben, tu sais, des fois, ils construisent des choses qui peinturent. Ouais. Fait que des fois, ils mettent une planche de gyps et ensuite, ils peignent dessus. Mais ils coupent pas la planche de gyps avec une scie, fait que c'est cool. Non, pas l'idée. Non, le problème, c'est quand tu coupes la planche de gyps avec la scie. Puis il y a la magnifique fumée de gyps. Mais Carlis, c'était-tu bon, les dépenses? Ouais, c'était bon. Mais moi, je sais pas, j'ai pas un gros effet quand je parle des dépenses. Ah, tu sais que c'est pas des bons, les dépenses. Mais j'ai jamais vraiment eu un gros effet. Même le biscuit, je t'avais donné. Ben genre, on avait fumé en mangeant le biscuit. Non, ouais, mais c'est pas le... C'est pas fumé avant qu'il fait l'effet du biscuit. Je peux les débrouiller aussi, c'est un autre effet. C'est autre chose, c'est juste... C'est vrai. Mais je préfère le fumer comme ça, c'est plus rapide. Ouais, ça prend pas 40 minutes avant de cliquer. T'as juste l'effet tout de suite. Après, tu fais pas autre chose. Le pire, c'est que c'est 40 minutes à 2 heures. Fait qu'il y a du monde, ils sont comme au bout d'une heure et demie, je le file pas, je vais manger un autre biscuit. Et puis le tout est d'un coup. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Ouais. C'est fucking long, genre, pour de vrai, pour être safe, là, t'attends 3 heures, 3-4 heures. Là. Fait que pour de vrai, si tes biscuits fonctionnent pas, là, ben ils fonctionnent pas, mais prends-en pas plus. C'est vraiment ça, le safety rule, en tout cas, là. Moi, si ça fonctionne pas, je veux juste fumer normalement. Ouais, c'est ça. Puis là, au pire, ça fait juste une transition correcte vers le high de balls. Ouais. Si, ils font des gummy bears et des balls. Ouais. Si, ils sont insane. Genre, comme une histoire, c'est une fille de ses amis, genre. Et comme elle était partie changer ou elle veut pour qu'ils sortent, etc. Puis genre, son amie, elle a trouvé les fucking gummy bears dans un sac, genre. Et elle a mangé genre 6, 7 ou 8. Gummy con. Et genre, elle l'a pas dit à l'autre quand elle est sortie. Fait que quand ils sont sortis, genre quelques heures. Elle a fait genre. Je me sens pas bien. Puis là, genre, elle a eu le plus gros match qu'elle veut parce qu'elle a mangé genre. Big gummy bear, genre. Alors que la personne s'en fait genre. Un demi. Donc, une façon d'avoir un good chip là-dessus. Mais en fait, il y a des façons, là. Mais c'est juste que. Oui, oui. T'as genre 16 fois la dose requise. Non, mais je veux dire, genre, c'était pas. C'est clair que tu vas pas être fonctionnel. Genre, je sais pas à quoi j'attendais cette madame-là. Non, mais elle savait pas en fait. Ouais, c'est vraiment gummy bears. Si tu sais pas, t'as aucune chance. Oui, elle a poussé exprès d'en manger du temps, genre, elle peut. Ça aussi, quand j'ai pris des bosses, j'ai quasiment rien senti. J'en ai pris deux. Je sais pas. Et peut-être c'est mieux. Y'a du monde qui sont mieux. Je sais pas. Peut-être que c'était pas des bons et des bons. Tu sais, donner un paquet et tout. Ouais. Faudrait acheter. Ah, ok. Ouais. C'est supposé faire de quoi, ça? C'est original. C'est pas comme juste un monsieur par rapport à une ruelle qui avait des... Mais c'était combien? C'était genre 100 mg? J'avais testé les 50 mg puis ça faisait pas grand chose. Maintenant en Californie, ils sont obligés de... Ils sont descendus à 5 mg. Ils peuvent juste donner 5 mg. Ouais, c'est comme tes gummy bears, t'aurais juste 5 mg par gummy bear. Ouais, t'en manges en plus. Ouais, j'en mange en pendant. Ouais, 50 c'était... Ouais, 50 c'était pas grand chose. 50 t'es juste... T'es relax. Ouais, moi, c'est quand 50 est un peu plus relax, for real. Ouais, ça dépend de la tolérance. Je les avais essayé avec Victor, for real, puis on se badait, puis on discutait, c'était vraiment relax. Hein. Rien de fou, là. Peut-être le double de ça, ça aurait été plus ou moins intense. Le double de ça? Je serais juste à me coucher. Tes biscuits, tu connaissais le dosage? Non, les biscuits, ils étaient juste monstrueux. C'est random. C'était random. J'ai mis 7 grammes. Dans la batch, au complet. 7 grammes. Tous les biscuits. Combien de biscuits? Comme beaucoup, genre 16 ou 20. Ok. Non, ouais, mais chaque biscuit frappait quand même pas. Là. Oui. Genre, je coupais les biscuits en 4, puis je prenais un quart, puis j'avais un rêve, genre pris vraiment bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que j'ai pris une moitié. Puis ensuite, je genre, je m'en fous, ça marche plus, j'ai pris ouais. Une moitié. Ouais. Puis là, je suis regretté. Tu l'as regretté? C'est ce qui se passe. Mais j'en ai vu ça rentrer chez Google pour parler avec. Ouais, quand même, je serais pas rentré si t'avais pas été là. Non, vraiment pas. C'est mort. T'es en train de mourir dans le métro, genre. Mais je l'ai pas vu sur le retour, c'est ça qui est triste.
Tu peux lire pas le morceau maintenant. Mais parce que c'était trop drôle, genre le dude il s'en calait, c'est comme genre man. Ouais, des bandes ils vont rien faire, man. C'est juste du weed, ça fait rien le weed. Mais tu sais que si tu mentionnes l'histoire, et de quoi j'ai rien fait, c'est les deux faux locaux. Ouais, je sais, c'est les deux faux locaux qui l'ont fuck up. Les deux faux locaux. C'est illégal maintenant, hein, les faux locaux. Sérieux? Ah, mais ça. Ouais. Mais ils sont obligés de le. Ils ont plus lutté contre ça. Tu peux checker? Non, non. Je sais pas si c'est illégal, mais je sais qu'il y en a encore plus. Il y a clairement plus d'absurde. Il y a des gens qui mourraient parce qu'il y a genre 4-5 de vous. Ouais, mais c'est comme les. Comment ça s'appelle? Les poppers. Ouais, mais c'est ce moins pire. Yo, j'ai bu 3 poppers, j'étais tellement fucked up, dude. Ouais. L'alcool avec le sucre, c'est juste. Ouais, non, c'est insane par contre. Une fois, j'avais pris des. C'est des trucs à genre 14%. C'est tellement sucré. Le Foloco, ouais. Le Foloco ne reviendra pas si tôt sur les tablettes. Cool. Non, il va pas revenir. Okay. Je suis pas triste. Disparaît des magasins. Je sais pas si c'est illégal. Tu les achètes en masse. Parce que oui, ils sont en train de disparaître, donc tu crois que ouais, ils vont être moins chers. Même tu le spams, deux. Et ensuite, tu le revends sur le back market, alors trois fois la valeur. T'avais un. Ils ont fait la même chose aux États-Unis, t'avais un. Il y a quelques années. T'avais un. Une espèce de sirop contre la toux. Et dedans, il y avait les deux ingrédients du lean. Ouais. Et okay. Genre. Avec tout, genre, la coupe avec tout ce truc, les rappeurs, etc., avec qui on parle, genre, ils ont le gouvernement, on fait pression sur la compagnie, on fait genre, okay. Arrêter de vendre ça. Ouais. Ils ont arrêté, et du coup, les gens ont buy tout ce qui restait, et qu'un rappeur qui a fait 100 000, genre, qui a donné 100 000 dollars cash à lui, qui avait genre une fucking large quantité d'acheter, genre, lui, il a fait un flip ça pour genre, 30-40 fois sa valeur, tellement tu peux plus en trouver, juste pour faire du lean. Mais c'est bon. Par le rappeur random qui voulait beaucoup de lean. Ouais. Pour probablement pas le revendre. Ah non, pour l'utiliser. Moi je l'utilise aussi. Tu veux dire, il veut utiliser toute la ligne là? Ouais. C'est bon? Check. Dig Sam sur Psychonaut Wiki. C'est genre, non, je sais, c'est pas du Dig Sam, c'est du Dig Sam avec de la codine. Qu'est-ce que tu dis, Dig Sam quoi? Ah, sais-tu, mets-tu de la codine dans le lit? Codine et prométhazine. Codine? Codine. T'as dit des DXM. Mais y'a pas du, y a du DXM dedans, ouais. Il me semble que quand j'avais checké l'article, t'avais genre les trois variantes. Ouais, y'a trois variantes. Mais check DXM parce que. La dangereuse, c'était le DXM justement. L'article de DXM est vraiment nice. Hmm? C'est ça qui était dangereux. Non, c'est Conan qui est dangereux. Ouais. T'es sûr? Je suis certain, le DXM, tu vas jamais tué personne. Ah, faut voir. Psychonaut Wiki. Psychonaut Wiki? DXM, ouais. Ce gros shit là sur Psychonaut Wiki. C'est ça que tu veux. C'est le premier. Ouais, Psychonaut Wiki, c'est ça, premier lien. C'est quoi? Tu vas avoir toute l'info que tu veux. C'est comme Wikipédia, mais pour des Psychonauts. Ouais, c'est du monde qui l'ont essayé. Donc, galénique, les effets. Mais ça, ce qui est nice, c'est que tu peux acheter en capsule. Syndrome, tolérance. C'est quoi, tu es juste comme gélule, tu l'as? Ouais. Discussion. Tu peux avoir en pilule comme ça. Ouais, tu peux en avoir en pilule demain. Mais ils mettent ça aussi dans le sirop, quoi. Tout sida, mais c'est quoi, c'est comme la morphine, etc. C'est un sida? Okay. Non, c'est weird. C'est vraiment weird. Ok. Pas dans le famille. Entre dans la composition de diverses spécialités anti-fussives. Forme liquide. Sans anti-toussif, c'est au point. Va checker les plateaux. Il devrait y avoir un breakdown des plateaux. Mais ici, j'en sais. Premier plateau, deuxième plateau, troisième plateau, quatrième plateau, plateau sigma, voilà. Un plateau sigma, tu meurs? Non, tu meurs pas avant ça. Non, faut, pour comprendre le plateau sigma, faut que tu lises les autres avant. C'est pas énorme les autres plateaux. Ah bah, c'est quoi ça? Les gros plateaux, là. Effet léger. Présence d'une simulation et d'une euphorie. Ok, ça, c'est pas le même effet caché. Sensation d'être légèrement ivre ou défoncé. Les couleurs et les sons peuvent sombrer. Non, peuvent sembler différents. Plus riche, plus profond. Plus riche et plus profond. Mais il n'y a pas de véritable hallucination. Légère altération de la vie. Yo! Du vin, on a de la
sangria. Oh. Ça me respire. Qui a le meilleur weed de l'univers. Nice. Ça a bien été ta journée? Ouais. Le rap était vraiment tôt, fait que demande si je commence tôt. Ah fuck. Je commence tôt avec. Et je suis mis tôt. Ah cool. Tu sais qu'il est important que le rap soit tôt. Ouais. Que je commence pas à midi pour finir à minuit. Ouais, c'est comme là, t'as fini quand même pas mal tôt. D'habitude, tu finis à 11h. Ouais, c'est ça. On a commencé à. Moi, j'ai commencé à 7. De toute façon, j'aurais pu venir plus tard, puis il aurait fini quand même au rap. Ben, je travaille demain. Ouais. Yo! Tu sais, je l'ai congé. T'as quasiment envie de rester en congé. C'est un bon deal. Mais c'est un shit deal, ben, ensuite t'as pas d'argent. On Là, t'es relax. T'es cash. Donc, le premier plateau, là, en fait. Mmh. Le monde les prennent pour le premier et le deuxième plateau, faut dire. Si tu vas plus loin, t'es juste cave. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens avec les autres plateaux? Hum? T'avais la porte de la chambre. Oh merde. Les pitchers étaient venus. C'est pour ça qu'elle faisait du bruit. Oui, ouais, on l'a entendu. On l'a entendu juste une fois, parce que j'étais comme genre, c'est quand même qu'elle veut pas vraiment sortir. Elle l'a abandonné. Ouais, je pense qu'elle l'a abandonné. C'est une personne qui va me chercher. Fait qu'il fait quoi le deuxième? Non, je pense que le deuxième, pourrait pas faire. Le deuxième, j'ai eu pas mal de monde qui me l'ont décrit comme étant genre c'est de l'alcool avec du weed. Mais le premier, il est relax. Bah c'est bon, c'est comme je veux prendre du sirop pour la toux, parce que le sirop pour la toux ça donne un nice high. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, le deuxième. C'est le plateau considéré le plus récréatif. Ouais, c'est ça, je sais. Les hallucinations aux yeux fermés commencent. Parfois sous forme de matérialisation. On a barbecue aussi, mais je m'en vais. De l'imagination. Barbecue. Ou même des perturbations de la vision aux yeux ouverts. Ça n'y est plus. Ouais, c'est bien assez. Ben, c'est comme. Ouais. Ça, c'est le début des bad trips. Le monde aime ça voir. Les influx sensoriels semblent découpés en morceaux. Comme un film en lecture image par image. Un effet motivationnel est présent, un body cry se manifeste. Les nausées sont fréquentes, la coordination motrice est plus fortement perturbée. Ça, c'est qu'il y a un chute des glucides. Ouais, c'est ça. Mais ça, t'es pas obligé de le lire, c'est de la mort. C'est long. C'est vraiment long. Ouais, mais c'est comme si t'as l'intention de le faire, ouais, lis les chiffres. Free. Non, mais genre. Mais si t'as pas l'intention de le faire, genre, une description correcte. Ça a l'air trop, ça a l'air pas étendu. Mais le troisième. Non, non, non. Ouais, je sais que c'est pas la même chose, mais c'est comme. Non, mais si tu lignes, genre, fuck me. C'est juste que ligne, ça veut rien dire, c'est comme dire je prends de l'ecstasy, genre. Ok, tu prends quoi? C'est which. Which one? Which one? Ah, je sais pas, c'est juste une capsule avec une étoile dessus. Ok, nice. Mais tu sais, ils arrivent à différencier avec les logos, c'est parce que tu. Ouais, mais il y a une liste de toutes les capsules différentes, avec tous les dosages, ok? Puis il y a 8 capsules étoiles jaunes. Puis c'est tous les dosages sont différents. C'est la même capsule, il y en a 8 dosages. Ouais. Il y en a qui sont coupés, il y en a qui sont pas coupés. Il y a peut-être des peintes différentes de jaune. Non, parce qu'il y a une machine à la capsule. Puis sur la machine à la capsule, t'as des add-ons pour les symboles dessus. Ouais. La machine à la capsule, elle fait une certaine forme. Puis il y a des add-ons pour la forme. Fait que c'est juste tu choisis la forme, tu choisis ça. Fait qu'il y a plein de monde qui choisissent rond, puis jaune, puis l'étoile dessus. On va le troisième. Puis il y a ça pour toutes, là. Genre, y'a plein de sortes, t'es comme, ah, ces sortes-là, ils sont avec là. Pis y'en a genre 10 000 différentes. Là. C'est des effets très intenses. Mais c'est pas intense, non. Mais c'est ça qu'il y a des grands bons. Ok, ouais, c'est con. C'est des effets très. Très intenses. Très intenses. Ok. C'est pas juste intense. C'est comme très intense. Je pense que c'est intense, non, pas intense. C'est dur, je sais où j'ai été. Milligrammes. Par kilo. Non, ils donnent le dosage par kilo avec. Et par kilo. Oui! Tu veux-tu utiliser des sites safe, genre, pour prendre de la drogue? Ou comme.
Donne les infos que t'as besoin. At least. Bon, ben ici, les hallucinations apparaissent, les yeux ouverts. Tout le monde sent comme j'ai pris une gemme d'ecstasy. Ouais, bravo. L'expérience de vie immortelle. Sentiment de renaissance, retour de souvenirs oubliés ou refoulés. La coordination motrice est très affectée. Coordination motrice très affectée, ça c'est là que tu sais que tu veux pas penser. Coordination motrice. C'est tout ça, pas bouger et être par terre. Ouais, c'est des gens qui réalisent sur ton genre. C'est difficile de bouger. Bon, le quatrième, c'est le dernier. Ah non, c'est l'autre, bon, pas tout ça. C'est l'avant-dernier. Expérience dissociative complète. Perte de contact avec le corps. Expérience de type mort imminente. Sensation d'entrer en contact avec des êtres supérieurs. Idée délirante. Etc. Ah, pis pas mal de monde, t'as même la description d'un dude qui a fait un trip, genre. Juste après, il est comme, ouais, man, j'étais là. Lui, il a fait, il était là, il était présent. Mais juste après ça, t'as autre chose, c'est ça qui est drôle. Le plateau Sigma. Je pense que c'est la personne qui est morte de ça, lui. C'est comme les choules, tu sais. Ouais, c'est non, comme moi, ça te choque. Les suicides sur ça. Non, tu comptes pas les suicides, c'est comme si mais tu le... prends... Non. Je compte pas les suicides non plus pour le monde qui boivent de l'alcool. Je compte pas le monde qui sont en train de s'allumer une clope pendant qu'ils traversent la rue puis qui sont écrasés par un char. Non, ça c'est différent par contre. Ça c'est complètement différent. Non, c'est la même chose. C'est très bien que le jugement est n'importe quel... L'alcool et n'importe quelle drogue, ça affecte ton jugement. Donc si tu te suicides sur ça, moi je le mets complètement sans doute de la drogue ou de l'alcool. Ouais, mais des fois tu te suicides puis c'est juste parce que genre, t'as pas bu assez d'eau ou t'as mangé trop de marde ou whatever. Oui, non, mais c'est pas une suicide. Mais c'est la drogue pareil, genre, oui, c'est un suicide aussi là. Mais si t'es déjà suicidaire. Mais je pense que tous les suicides stèment de ça au final parce qu'il y a pas de monde sain d'esprit qui se suicide. Non. Donc il y a forcément un problème quelque part, tu sais. Ouais, mais du coup ça amplifie le problème. Mais techniquement c'est une drogue qui a créé le problème au début parce que we are just drugs, you know? So. Il y a quelqu'un qui pourrait juste arriver et faire comme, ok, ben là, t'as un spike de sérotonine, pis ça, le problème. Ok, si tu comptes pas les suicides sur la drogue, je peux comprendre qu'il y a peu de ça. Je compte pas les suicides sur la drogue. Je compte juste. Sur le weed, je suis en même temps. Il y a des moments où des fois, j'avais envie de. Ouais, same! Same, mais c'est pour ça que je compte pas ça. Parce que je sais que ça dépend juste de l'individu. Genre. Après, des fois, c'est l'individu qui est pas dans le meilleur contexte possible. Ouais. Mais ça compte pas. Sigma. Oui, depuis quoi? Plateau qui se manifesterait lors de la répétition des prises sur une période courte. C'est ce genre de shit, genre, faut que t'en prennes genre 4 fois d'affilée, genre fuck l'autre. Présence d'hallucinations visuelles et auditives, des éléments qui délirent Dieu alien, peuvent être intégrés dans la réalité quotidienne. Le sujet peut entendre des voix auxquelles il sera susceptible d'obéir. Les pensées sont complètement perturbées. La majorité des utilisateurs ayant atteint ce plateau ont trouvé l'expérience très déplaisante. Ils ne souhaiteraient jamais recommencer. Ça te donne aussi le vertige, la somnolence, les nausées, vomissements, constipation, réaction allergique. C'est pas idéal. C'est juste l'académie ou autre chose. Prométhasine. Ça s'appelle comment nos affaires? Mais ça c'est d'index. Ouais, Prométhasine. Cherche ça sur le même site. Ça sonne comme un nom de... Comment ça s'écrit? Prométhasine. Comme ça se prononce. Ah, peut-être THA. Oh, mais ouais, c'est vrai. Un I ou un Y? C'est pas un mot que j'utilise souvent. Non, c'est pas de la juste. Je suis sûr que c'est autre chose, je suis sûr que c'est juste le nom du médicament pour Prométhasine. Non, c'est le. C'est l'actual. Le semble, hein, mais je pense que ça pouvait. Ouais, il y a quelque chose ici, codéine. Ou ligne. Ouais.
C'est straight up ça. Ouais, c'est ça, tu devrais. Ça tu loadé sur le top? Non. Je dis en effet ici quelque chose. Oui, c'est vrai que le tout contenant la codéine et de la promethazine mélangée avec des ingrédients. Ah, c'est exactement ça. Sprite ou Mountain Dew. Literally, ce que j'ai fait. Ouais. Je mets plus de codéine, je fais Sprite. Ouais. Je les mets dans une bouteille de Sprite, je verse. Bon, sous faute d'avoir la promethazine, je mettais ça. Ouais. Tu mélanges les deux pour du Sprite. Moi, je rachetais des bonbons. Ouais. Du sweet. Ce qui lance. Parfait. Mais ce qui est lourd. Mais c'est très bon. C'est quoi les parfait. Ouais. Genre, t'es là, là. Genre, c'est... Le weed, c'est rien qui voilà. C'est genre, attendre avec la question, genre ton corps, mais genre, même. Comment ça fait juste dormir. Il y a de quoi. Ok, c'est peut-être pas aussi abusé. Mais il y a de quoi qui fait la même affaire. C'est le kratom, mais à place de la sorte blanche que je t'ai fait goûter. C'est la sorte. T'as pas goûté? Non, faut que t'aies ça. À part la sorte blanche, c'est la sorte rouge. La sorte rouge, pour moi, ça fait juste. Ben, c'est différent selon le monde, c'est ça le problème du kratom avec là. C'est que moi, j'ai pris du kratom blanc, mettons, je suis fucking énergisé, j'ai envie de faire plein d'affaires. Je leur donne un mic, ils sont seuls en train de vomir. Mais du kratom rouge? Même dosage. Mais après, j'ai peut-être une plus grosse masse que lui, peut-être que j'aurais dû donner un plus bas dosage. Est-ce que le kratom est rouge là? Il est plus rouge, mais c'est comme c'est vert, même le blanc il est vert. Il est juste un peu plus blanc. Ah. Mais le rouge c'est straight up genre, en tout cas moi l'effet que ça m'a donné c'est juste faire complètement disparaître mon anxiété. J'étais juste vraiment relax. Genre un peu comme ce qu'il décrit. Mais j'imagine que je suis pas sur la codéine, fait que je suis moins relax. Tu peux pas être plus relax sur la codéine. Tu sens vraiment tout genre. C'est quand même pas une ouais. Dire, mais le kratom aussi c'est un painkiller. Et c'est plus que c'est une mais c'est moins de la morphine quand même. J'ai jamais le voir en fait. Ouais. Et ça dit que c'est pas ça. Le problème c'est que j'ai jamais essayé les drogues officielles. Yep, fait que si tu me dis que tu les drogues, je suis comme ok. Drogues officielles. Ouais, faut dire. Tout ce qui vient dans un paquet, je suis comme. Je serais dans d'avoir juste la plante directement. Juste la calice de molécules stickée sur un morceau de papier. Mais du coup, je sais pas. La codine, me semble, c'est. Ouais, c'est de l'opium moins fort. Mais c'est dans la même catégorie que tout le reste. Là. En fait, techniquement, c'est dans la même catégorie que le kratom, mais le kratom, ça agit différemment. Okay. Mais ça agit sur le même récepteur. Ouais. Le kratom, c'était légal. Le kratom, c'était légal. Ouais, c'est encore légal, me semble. C'est légal? Je pense mal, quoi. C'est passé par un loophole ou genre. Le gouvernement n'a pas encore compris ce que c'était parce que. Mais, c'est juste mais je pense pas qu'il devrait le rendre illégal pour de vrai. Mais les c'est comme du café. Légal. Oui. Il y a du monde qui sont déjà morts. C'est celui qui. Qui le rend nomme, etc. En plus, c'est lui qui s'appelle pour faire notre film. Non, je dis que c'est. Ça, même effet. C'est, l'effet est similaire parce que ça active les mêmes récepteurs dans ton cerveau. Okay. Mais en même temps, l'effet est pas similaire parce que c'est pas du tout de la même façon que ça active ces récepteurs-là. Fait que ça active aussi d'autres récepteurs en même temps. Puis bref, c'est juste pas la même chose. Mais tout ça pour dire que oui, ça rend dans la même catégorie pareil parce que c'est les mêmes effets. C'est les mêmes effets à haute dose, okay. Mais à basse dose, ça a des effets de stimulants. C'est quand même... Ça vient du sud de l'Asie. Le sud-est de l'Asie. Donc, l'égalité là, tu vois. Mais c'est légal, tu peux en prendre au Canada. Use of kratom is legal. Je trouve qu'il n'y a aucune raison que ça devrait être légal. Ouais. Mais c'est ça que c'est. Mais toutes les sortes ont des effets différents, ça je trouve nice. Le rouge a un effet différent que le vert a un effet différent que le blanc. Il y en a qui sont similaires, mais ils n'ont pas le même effet. Puis l'effet, tu files dans ta barnaque, mais t'es comme, tu sais, je sais que je suis sub, je sais que je suis high aussi. Les gens ne peuvent pas avoir du kratom sans la prescription du docteur. Ah, check mon barnaque. Je peux pas acheter des feuilles d'une plante sans une prescription, sans un morceau de papier. Genre, check mon barnaque. Ouais, mais tu vas pas raconter. Yo, tu vas dans la forêt, tu trouves la plante ici qui t'empêche de prendre ton canet et de couper 2-3 feuilles. Genre. Je sais que c'est un peu naturellement ici, on t'a vu que c'est une sud-est. Non. C'est dégueulasse parce que quelqu'un a décidé de faire un champ. Originellement, ça vient du sud-est. Ouais, mais originellement, ça vient d'une place, mais comme tu fais ce que tu veux. Ouais, mais pour ça, il faudrait quand même la plante fille pour la faire pousser. Qu'il y a des graines. Ouais, ou que t'aies des graines. Si c'est une plante qui fait des graines, il y a des plantes qui font pas de graines. J'ai déjà essayé de faire pousser de la salvia. Parce que la salvia, c'est une sorte de menthe. Ok. C'est celui-là, une sorte de menthe.
Puis, parce que dans le fond, les graines, elles existent pas vraiment. Et si tu veux acheter une graine, elle coûte genre 500$. Puis, d'après l'expérience des meilleurs à faire pousser cette plante-là, ils sont comme, c'est juste pas une plante qui pousse avec des graines. Elle te donne pas de graines naturellement, la plante. C'est elle se clone. C'est juste à partir de la même plante, ils font juste plus. L'année prochaine, comme il y a des morceaux qui tombent, puis elles poussent. Après l'hiver. Quoi. Il n'y a pas d'hiver. C'est pas comme une plante qui a des cycles. C'est ça. Ça pousserait pas au Canada. Okay. Fait que la plante est en train de disparaître parce que, bien sûr, ils coupent la forêt, puis ça détruit cette plante-là avec. Puis vu qu'il n'y a pas de graines, on s'en calisse. Puis la graine, elle vaut 500$ parce qu'il y a une façon de faire une graine, en trichant. Mais c'est ça, la graine n'a pas beaucoup de chance de fonctionner. Puis si la graine fonctionne, ça serait une autre espèce, parce que ça serait pas un clone. C'est comme reproduction sexuée versus reproduction asexuée. Avec la graine, tu fais la reproduction sexuée. Avec sans la graine, tu fais la reproduction asexuée. Asexuée, c'est un clone, puis sexuée, c'est un code génétique complètement différent. Fait que t'as une autre strain de salvia. De salvia. Mais c'est ça, la salvia, ça marche pas. Ouais, c'est de la menthe. Ouais, tu peux le checker sur le même site. Mais je suis sur Kraton, guys. Ouais, sur l'autre, hein, sur Psychonauts, qui ça fait comme... Je sais pas, ça dure genre 15 minutes, ça fait un peu comme la DMT. Tu t'en penses? DMT, apparemment, c'est intense aussi. Ouais, il y a Mike qui l'a essayé il y a deux semaines. C'est pas mal intense. Il est correct. Ouais, il est correct, il est encore en vie. Pas trop long. Mais, tu sais, grosse expérience symbolique, ça. Là. Ouais, c'est vrai. Ça arrive. Là. C'est expérience symbolique? Ouais, ça pèse. Mais ça dure juste 15 minutes. Quoi? Okay, mais c'est même sur la tube, c'est correct. Ouais, bah sur la tube juste pendant 15 minutes. Ça dure juste 15 minutes? Ouais. Mais c'est n'importe quoi, hein? Mais de quoi que n'importe quoi. C'est bien court. Mais le temps n'existe pas pendant ces 15 minutes-là. Fait que ça dure un peu plus longtemps pour toi, là. Mm. Et comme en vrai, ça dure juste 15 minutes. Ça lui a divisé une horizon. Si tu considérais une seconde comme étant un tic de ta montre, qui fait tic pour une seconde, genre, puis une minute comme étant 60 tics, puis une heure comme étant, genre, ben, puis 15 minutes comme étant 60 fois, 15 fois ça, et ça dure 15 minutes. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de tics. C'est ça. Mais si tu arrives sur la salvia, un tic, ça prend longtemps. Il est vraiment grand. Ouais, t'es vraiment oui. Dans le moment. C'est dans le moment, tu peux pas être plus dans le moment. Là, je sais, c'est pas full fonctionnel non plus. Là. Mais aussi 6 niveaux, n'importe quoi. 6 niveaux. 6 niveaux. Ah, il y a un 6 aussi? Les voyages de Salvia. Ah, oui, je pense que j'ai juste fait niveau 1. Ah, c'est quoi niveau 1? Effet léger. Quelque peu similaire à des faibles doses de marijuana. Intérêt pour les. C'est légal, ça? Ça, je suis désolé. Ouais, ça, c'est légal aussi. Quoique, non, ça, c'est peut-être devenu légal il y a vraiment pas longtemps. Non, c'est vrai que j'allais dire, est-ce que c'était légal? Mais c'était légal, mais j'en ai acheté. Ok. Dans mais le magasin? Tu l'as acheté combien de temps avant la légalisation de... J'ai acheté il y a 2 ans. Ok. Mais il me semblait que j'avais lu les rapports que c'était comme illégal, ce truc. Niveau 2, c'est quoi? Modification des processus de pensée. Ok, moi, j'attends niveau 2. Niveau 3, c'est effet psychédélique. Ok, non, c'est ça. Ressemblant... Niveau 3, c'est ça. Fred, il est allé au niveau 3, mais lui, le problème, c'est que j'en avais de la pas assez forte. Fait que lui, il a essayé en tabarnak, puis il a pas réussi. Il a pas atteint le niveau 3. Il a atteint le niveau 3. Mais c'est comme Colin. Le 4, c'est un. Genre, il s'en rappelle celui de pas, mais il m'a dit ban de la mort pendant comme genre 2 minutes. Puis à la fin, il a juste snap. Il a fait comme genre, yo, ta face était un immeuble. Je suis comme, what? C'est ça, je dis quoi, pis comme quoi? Je suis comme, tu viens de me dire que ma face était comme un immeuble, pis comme quoi? C'est ça, fait que c'est ça. Ma face est comme un immeuble. Ouais. Je sais pas comment ma face pouvait être comme un immeuble. Mais il y a peut-être plein de microbes qui habitent sur ta face. Je sais pas, je crois. Comme des gens. Ouais, c'est comme une maison. Le niveau 4, c'est un voyage chamanique. Ça sonne pas mal bad, tu penses. Vers d'autres lieux étants. Vers d'autres lieux étants. Vers d'autres lieux étants. Ressemblant au rêve. C'est cool, ça dure juste 15 minutes par contre. Ok, mais c'est un petit rêve de 15 minutes.
Ouais, c'est correct, c'est relax. Il y a un trip report de Ari Shaffir qui est comme un comédien. Ouais. Qui dit celui-là, puis il vit une autre vie, donc comme dans la piscine du backyard de chez lui quand il était jeune. Ben, c'est ça. Là, il s'était porté dans cette piscine-là, puis il était un poisson, puis il a dû réapprendre à respirer pour comme vivre sous l'eau. Puis il a vécu sous l'eau, genre 5-6 ans, genre. Puis il a eu une famille, puis des enfants, puis il était bien heureux, là. Puis comme, c'est ça, ensuite, ça, genre, il est revenu dans le vrai monde, puis il a dû réapprendre à respirer de l'air. N'importe quoi. Ça lui a pris genre 45 minutes. En plus, il live le trip, genre. Puis ça lui a pris legit 45 minutes à pouvoir reparler. Il fallait réapprendre à, comme fille. Enfin, quoi, ça dure juste 15 minutes. Attends, pendant 45 minutes, il pouvait pas respirer, là. Ah, il pouvait respirer, mais il pouvait pas autant parler. Ça lui a pris du temps de réapprendre à respirer. Après avoir appris à respirer sous l'eau, puis avoir vécu genre 5 minutes sous l'eau. Mais ça a duré 4 ans. 4 ans. Ouais. C'est quand même quelque chose. Ouais. C'est quand même un long 15 minutes. Ouais, c'est pas juste 15 minutes. C'est ça, c'est ce que je te disais. C'est un long 15 minutes. Minutes. Entre chaque seconde, il y a pas du temps. Puis le 6, c'est une perte d'identité. Expérience mystique. Fusion avec d'autres choses. Fusion avec d'autres choses. Ou avec l'univers. Perte de votre identité personnelle. Non, ça c'est ego de... Le niveau 6, c'est anesthésie. Toi, t'es pas... t'es juste out. t'es juste out. Je pense pas que tu peux mourir de ça non plus. Pas plus c'est de la menthe, lui. Oui, c'est clair, si tu conduis pis t'as... Yo, le pire, c'est dur à prendre, là. J'ai essayé de get high là-dessus, pis j'ai pas réussi. T'es sur l'autoroute, t'es sur l'autoroute et tu te tu fais un hit de DMT. Dans la gueule, de... tu fais un hit de DMT en bon gondreux. T'en peux pas un masque, c'est la fin dernière. Le problème, c'est que tu peux pas en faire masque. Parce que la façon dont ça marche, c'est que genre, tu... c'est comme t'as un bong, genre. Pour... Tu hold ça, le light sur le bong, pis là t'aspires, t'enlèves le plug, okay. Et là t'as toute la fumée, pis là faut que tu hold la fumée. Ouais. C'est ça le challenge, c'est la hold, parce que ça prend, c'est pas comme le weed, genre. C'est pas faut que tu la hold genre 4 secondes puis ça fonctionne, genre. C'est plus comme faut que tu la hold 30 secondes plus. 30 secondes. Puis elle est hard, c'est pas, il faut que t'en aies quand même pas mal pour que ça fonctionne. Fait que là t'es là à hold, t'as fucking fumé, puis c'est ça qui est vraiment tough en fait. Mais ils disent que l'anesthésie arrive seulement lorsque vous avez pris une dose qui est beaucoup trop grande. C'est ça, parce que j'ai vu Fred en faire genre, il a fait comme fucking 15 bang hits, puis genre faire beaucoup de bang hits, ça dépend. C'est juste le hold qui fait la job. C'est comme tu hold. Ce qu'ils disaient, c'est. La fumée a besoin de temps pour rentrer. La fumée a besoin de temps pour. Ouais, c'est ça. Pour comme faire des pas. Des faibles. Comment il s'appelle, c'était Salvia. T'as un doute sur YouTube qui faisait de la Salvia. Maintenant, il s'appelle Comment Etiquette. Comment Etiquette. Ouais. Mais avant, c'était Big Money Salvia. Ça, c'est un gros nom. Big Money Salvia. Mais tu peux voir ces vidéos de Big Money Salvia. Ouais. Puis il faisait des vidéos genre Gardening on Salvia. Il commence et quand il t'explique genre ok, fait qu'on va faire un trou avec genre ça, puis on va mettre la plante de cette façon là, puis là on va mettre un, faire un petit pH test, puis on va mettre de l'engrais. C'est comment t'as dit Salvia? C'est comme fait. S-A-L-V-I-A. Non, mais là, avant. Big Money. Ouais, Big Money. Puis il commence la vidéo et comme first, let's take it, it a far, salvia. Il est juste plus là pendant le reste. J'ai juste pas ça. T'as vu? Check gardening on salvia. Tout à l'heure, il est juste couché. Gardening. Ouais, faut que tu switches la plug pour le micro. Oh. Pour que ça fonctionne. On a changé la bouffe de nos chats il y a pas longtemps. On s'est dit que ça te faisait pas de sens de leur donner des grains. Non, c'est du maïs. Puis des grains. C'est des cheveux. Mais c'est un peu du maïs aux cheveux. J'ai jamais vu du chat manger du maïs. Mais ils font la nouvelle bouffe sans maïs. Donc, le problème, j'ai l'impression, de la job, c'est qu'il faut savoir quoi garder, genre. Des affaires, des fois, tu gardes, c'est de l'or mort, genre. La cause, non, la cause, c'est bon. Ouais, ça semble l'opportunité. C'était pas mal bon, ouais. Dis-moi, j'aurais dû prendre l'autre boîte aussi.
Il y a aussi un PC. C'est une TV avec un PC dedans, dude. C'est genre pour des displays. Et c'est fou qu'ils aient juste crissé ça au poubelle. Ouais, c'est ça. Oh. Je pense. Il est où, bloqué? Ah, c'est toi qui l'a. Thanks. Mais il y en a, c'est ton bon quand même. Il est petit, mais il fait la job. C'est bien, il a juste la fête. Il est tellement très fini. Il est toujours oui dedans. La raise. Là, c'est comme tu peux fumer la raise pendant encore un bout, là. C'est comme, ah non, y'a plus de weed, ok, je peux juste fumer la raise au fond de la pipe pendant comme les 15 prochaines années. Ouais, ça coûte pas très bon. Là. Tu peux t'habituer. C'est comme bon. Ouais. C'est comme du hash. C'est bien le hash. Et aussi, gars, c'était nice, vraiment. C'est un bon plan? Ouais, sauf qu'il y en avait qui avaient genre le H dedans. Il y avait genre 6 points. Non, ok, il y avait tout le temps du H dedans. Promis, il y avait du H dans toutes les cigarettes. Il y en avait qui en avaient genre. Il y en avait qui en avaient plus. Il y en avait qui avaient genre 3-4 fois plus. Ouais. Non, c'était drôle. C'était drôle, c'est comme vous voulez. J'en prends une, puis comme. Ce qu'on aurait dû faire, c'est comme tout peser pour de vrai. Pour faire genre des portions, mettre ça dans des trees, puis ensuite que je coupe tout. C'est dans un parc random. Un parc? Oui. Oui, genre des cigarettes wash. Oui, des cigarettes avec du hash dedans. C'est à bon. Ouais, c'est vrai. C'est facile à rouler. C'est ça que tu peux faire dans un joint. C'est ça, tu peux faire du hash dans un joint aussi. Non, mais je vous l'ai dit au début, genre, c'est juste une affaire de quand, genre, faut fermer sa gueule pour les rouler. C'est ça. Colin, il avait l'air d'en rouler deux. Je pense qu'il n'avait pas roulé un seul deux. Ça marche, ça. Il t'a montré en théorie comment rouler un, puis j'ai pas encore oui. Suivi la théorie. Ouais, mais c'est ça que c'est ça. Non, non, parce que je roule les joints différemment que lui aussi. Okay. Parce que lui, il fait juste mettre le weed dans le papier, puis il roule. Ouais. Puis moi, je mets le weed dans le papier, puis là, tout se crisse par terre, puis j'arrive pas à rouler. Fait que je suis juste prendre ma switch, j'en mets un peu dans le papier, puis je me mets au-dessus de la surface, genre je roule. Il y a une moitié qui tombe, genre je prends un crisp plan, puis je prends un bâton pour pousser tout, genre. Ouais, c'est vrai, c'est bâton. Ça fait une cigarette. C'est nice. Mais ça marche pas. Si tu couches. Si tu couches, il y a une micro dans la pub. Là, il y a rien dans la pub. Mais c'est ça, je pense que ça c'est le Hong Kong. Yo, ouais. Le Hong Kong il est tellement nice, c'est comme vert, il est comme fucking emerald. Hong Kong, officiel. Tu sais comment ça? Tu l'as sur le boss. Ça c'est le best. C'est un carré qui représente. Il représente. Cette région. Represent. Ouais, c'est weird que c'est fucking les mains plus que base. De soulever des chiffres tous les jours. Là, je vais. Je pense que j'ai juste fait ça comme un con. Je tenais sa poubelle devant. Là, j'imagine que ça fait cru. Tu tiens une sale poubelle comme ça? Ouais, comme ça. Puis tu marches. Parce qu'il faut que ça soit assez loin de toi pour pas que tu marches dedans, genre. Mmh. Tu tiens comment une sale poubelle? Je sais pas, je tiens à côté de moi. Sur le côté, ouais. Sur le côté, tout. Ouais. Le problème, c'est que des fois, il faut que tu passes dans des arbres rouges. Ouais, mais tu peux mettre derrière. J'aime pas ça me mettre devant, je sais pas. C'est lui qui doit trouver l'affaire, moi. Derrière. Non, c'est ça, en plus, t'as ton dos pour le porter avec toi, genre. T'as un petit twist sur la sur l'épaule, mais c'est tout gueule. Tu peux le mettre sur le côté ou pas? Mais si t'es vraiment narrow. Non, sur le côté, sur le côté ça marche pas. Mais c'est vraiment. Un sac de plastique mec. Avec la céramique dedans, ça marche pas. 100%, ça se crisse dans tes jambes, pis. Pis t'as mal aux jambes.
Ouais. Ça fait mal passer la main. Déjà, si tu tiens devant toi, ça peut tomber, genre, sur tes pieds, genre. Ouais. Mais derrière, ça tombe, c'est-à-dire, ça tombe sur la personne qui est derrière toi. C'est super. Je sais pas, à chaque fois, ils sont calés ici, pas moi. Je m'en calé ici, là. Je tiens un piano, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui est en dessous. Fuck les pianos. T'aimes pas les pianos? Non, j'aime pas les pianos. Fuck les pianos. Pourquoi? Ok. Et si tu vis pas au premier étage, n'achète pas un piano. Parce que je vais défendre une chute. Ben, il faut le monter, là. Bah, tu peux le construire mettons... chez toi. Ouais. C'est bien par le construire chez toi, c'est encore plus evil. Parce que quand tu veux t'en débarrasser, t'appelles du monde. T'es comme genre. Quand il te demande, ok, ouais, mais comment il est rentré? T'es juste genre, il construit ici. Il est plus grand que le normal. Il est plus grand que la porte. Il passera pas. Même pas par la fenêtre. Ils vont juste te dire que ça coûte plus cher parce que faut qu'ils coupent avec des scies. Ils vont te charger genre 100$ de plus. Ils vont couper les billets. Ouais, ils vont tout le couper en morceaux. Après, ils vont le coller avec la crazy glue. Non, ils vont le couper. Ouais. Dans la bine de métal. À God Junk. Ouais. Ou à un 800 ramasse. 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 C'est la version française? Je sais pas. C'est une autre compagnie. Ils font la même chose. Différent. Mm. C'est pas les mêmes pricing, c'est pas le même organisation, c'est pas la même personne. Ils sont meilleurs ou pas? Je sais pas. Dis-moi qui est meilleur. Je sais ce que nous on fait. On a juste une opinion. Normalement, un qui est stupide. Puis l'autre est brillant. Je pense qu'il y en a qu'un des deux qui est brillant. Les deux, c'est des imbéciles. Ben non, les deux c'est. C'est ça que t'es en train de dire. Les deux c'est des compagnies qui essaient de faire une bonne job. Qui font du l'argent. Tu sais, quand tu travailles pour une compagnie, généralement t'es pas comme genre, hey, moi je travaille pour comme genre Metro, pis c'est ça, genre, genre c'est la meilleure compagnie ever, pis on vend fuck all du pain congelé, pis notre pain il est frais, et c'est toutes les personnes qui travaillent au métro. C'est comme si moi je suis comme genre, bonjour, fait que moi je travaille pour un 800 God Junk, pis comme nos trucks ils sont shiny as fuck. Ça serait drôle si tu dirais ça. Non, les trucks ils sont pas shiny as fuck. À toutes les 45 secondes. Le pire c'est que c'est. Tu sais, c'est écrit en fucking huge sur comme les panneaux publicitaires de 1800 God Junk, genre shiny trucks. Comme t'arrives là-bas, tu check le truck, t'es comme yo, ça c'est shiny as fuck, man. Faut pas être plus shiny. Et t'as mis du glitter dessus. Tu mets de la crazy glue et du glitter. Le truck est shiny as fuck. C'est quoi? C'est des trucks. Et mon problème dans la vie, c'est que faudrait. Genre, en même temps, j'ai envie de m'acheter un char de démonter puis comme de le remonter. Mais en même temps, j'ai pas envie de m'acheter un char de démonter puis de le remonter. C'est exactement ça. C'est comme. Le problème, c'est si j'apprends à conduire, je sais que je vais le faire. Enfin, faut pas que j'apprenne à conduire sur la strade. Là, tout est good. Mais non, mais faut que t'apprennes à conduire. Ouais, mais je vais vouloir un garage pour pouvoir démonter puis remonter. C'est pas bon, tu peux te faire de la place pour la voiture. Dans la cuisine. Ouais, je vais avoir une warehouse puis je vais juste avoir une voiture dans la warehouse. Mais ici, tu pourrais mettre une voiture. Sur le côté, genre. Ouais, c'est pas mais tu hoard des shit, c'est une habitude, right? Ouais. Mais ensuite, il faut juste avoir l'habitude de vendre les shit que t'as hoard. Plus tu dégueu. Dans le couloir, c'est pas vraiment une voiture, genre. Non, c'est ça la face, c'est que je veux plus une affaire de plus. Dans ma vie, j'ai tout trop d'affaires déjà. Pourquoi je sens que tu veux faire un endroit chez des choses? Ça va être sur des crochets, genre, sur toutes les murs. C'est vrai. Ça te plaît. Clairement, genre, être chez lui, genre, comme ça, là. Ouais. Mais le problème, c'est que je me dis, si je la gosse de même, ça va être un peu trop haut. Fait que ça prendra quand même la place dans la pièce, au final. À moins que je vais juste sacrifier comme un espace du mur pour mettre des vélos, genre, stackés. Ouais. Parce que c'est facile de les stacker si t'enlèves, comme, la roue avant. Puis le pédale. Ouais, si t'enlèves la roue avant, puis les pédales, puis tu peux stacker en marche. Ça, c'est pas super. C'est de la mort, pardon. C'est de la mort? Ça, c'est de la mort. C'est pire quand je m'en réponds. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu déplacerais ça en haut, genre, tu pourrais pas être assis là. Non, c'est ça, ça prend quand même des espaces de. Puis je pense même si tu l'accroches à l'envers comme ça, genre, je pense que ça prend encore trop d'espace. Ouais.
Quoique pas. Peut-être assis, mais pas debout. Faut vraiment que tu mettes sur le plafond comme ça, genre. Non, ouais, c'est ça que je disais. Mais je pense. Non, ouais, mais c'est attaché. Faudrait que l'encre. Que... Mais faudrait. Non, mais tu mets beaucoup de colle. Ça change rien, tu sais, parce que la force est appliquée de cette direction-là, puis la colle est faite pour tenir. Ouais. Ouais, au pire, tu mets genre. Dehors des fans. Des fans qui poussent du vent, puis tu mets un drap sur comme le vélo pour comme. Il est proche de voir. Ben ouais, ouais, faut pas, ouais. Sinon. C'est ça, c'est ça. Genre, juste tout... avec des fans, t'espères quoi? Tout le plancher faudrait que ça soit. C'est comme le monde qui veut leur vélo aérodynamique, je suis comme lui, ton vélo il est déjà plus ou moins aérodynamique. Là. Mais il veut juste que ça soit. À part des pédales sur le côté, là. Ça c'est de la... ça c'est un design de mort, le mieux ça serait comme de rentrer les pieds dans l'intérieur. Puis... C'est juste de vraiment peur. Hmm? Peut-être c'est juste lui qui est trop gros pour ses pédales aérodynamiques. Ouais, généralement le problème c'est que la façon dont tu te tiens sur le vélo. C'était un problème d'aérodynamisme. C'est comme ce que ça juste pour son échelle. Ouais. Pour comme Dodge, je le venge. Si tu prends tout le vent, c'est juste ton problème. C'est pas la technique. Non. Le pire, c'est quand il pleut. Est-ce que je peux faire la pluie? T'aimes pas la pluie? Je pense que c'est Raphaël qui m'a demandé. Est-ce que je peux faire la pluie ou le vent? Je suis comme. À vélo, tu sais. À vélo, t'aimes ça le vent. Oui, je crois que tu parlais juste en ouais, général. Non, non, à vélo, genre pas en général. Ça se peut aider. Normalement, ça ne dérange pas. C'est nice. Ça arrange les trucs. C'est vrai. Et puis, appuie sur la mort. C'est les plus. J'aime après la pluie, il y a une genre d'odeur. Là. Dans l'air. Ok, ok, ok. T'en pas? Je sais pas, ça se met en plus clean. C'est la pluie, c'est la vie, là, des trottoirs. Le pire, ces jours-ci, il y a la pluie qui tombe, genre. Puis là, ça tombe sur comme ton pare-brise. Puis là, il y a comme un résidu, genre, fucking dégueulasse. Mais comme. De toute la sel. De la sel. Ouais. C'est comme toute la crasse weird. Mm-hmm. Comme si t'avais du sable. C'est tiqué dessus. Ça, c'est chiant, le sable. Le sable. Ouais, quand j'ai camping ou quelque chose, on va partout ça. Ouais. C'est pire, ça. Je me rappelle de quand j'allais à la plage, là. Pire affaire, le sable, ouais, partout. Là. Tu vas te coucher, là, genre. Non, tu vas pas te coucher, tu vas dans la salle de bain et tu passes les 30 prochaines minutes, là, à trouver le sable. Ouais, mais si y'a pas de toilette, genre. Je sais pas comment. Pourquoi y'a pas de toilette, genre, ça, tu veux juste te coucher, genre. T'es là, non, genre, dans la rue, pis vraiment, j'ai couché là, genre. Non, je suis pas chez nous, y'a pas de toilette, là. On est genre un camping, là. Dans la nature, quelque chose. Ok, mais là, t'es mort, fuck. C'est ça, genre. Là, t'es ultra fat. J'ai du sang partout. Ça existe encore, la nature? T'es sûr? Qu'est-ce que? Si tu sors de la ville, la nature est encore là. Ben, tu penses bien qu'elle parle. Ouais. Je suis une surprise. Oh, non, c'est pas vrai. Sous. Il y a des petits patchs. Des si, petits patchs de nature. Après avoir vécu à Montréal, je voudrais pas vivre à New York, là. Quoique. Le monde, disons, la plus dans les années. Ça a l'air correct. J'ai quand même des bons New York. C'est comme une belle ville. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'à New York, c'est comme, il y a tellement de monde que maintenant, tout le monde s'en cause. C'est juste genre, c'est juste qu'il y a trop de monde. Il y a combien, genre 8 millions de personnes? Mm-hmm. Genre 8 millions de personnes? Toi qui as l'ordi. Google it, la merde. Population de New York. Population de New York. Il y a tellement plus de monde à New York qu'il y a à Montréal. Là, c'est ouais, ouais, c'est ça. À Montréal, t'as encore cette impression-là, genre, oh, peut-être que cette personne-là me check.
Le à New York, c'était juste genre non. Tout le monde s'en calisse. Parce que toi aussi, tu t'en calisse, t'es comme moi. C'est ça le nombre. 8 millions. Puis on est à Montréal, on doit être genre 1.4 ou je sais plus. C'est pas à 2 millions. Non, ouais, c'est peut-être 1.4. C'est exactement entre 1.4 et 2. Ouais. Bref. C'est quoi la ville la plus peuplée là? Shanghai. Shanghai? Peut-être. C'est pas genre Tokyo ou quelque chose comme ça? 24 millions. C'est beaucoup. Je suis tout petit en plus. Petit, les places les plus petites, c'est genre tout concentré dans une région. Ouais, puis... C'est bon. Mais Tokyo, c'est encore plus petit. Ça, je fais... En Inde, c'est vrai. Ouais, en Inde, tu sais, il y a une place, et puis comme, c'est pas prononçable, genre. Puis il y a trop de monde. Ah. Fais-tu BT, c'est lui versus PewDiePie. New Delhi, c'est assez vite que j'en ai 21 millions. Ça battu Shanghai? Shanghai, c'est vrai. 24. Bref, Ada, c'est Shanghai qui gagne. Je n'avais pas d'autres qu'en avait, j'en ai Mumbai, je pense, c'est ça, même. Ouais. En Corée du Sud, peut-être. En Corée du Sud, ils ont pas tellement de monde. Mais ils ont beaucoup de monde. Là. Pas tellement. Ils ont 18 millions. Qu'est-ce que t'as dit? Peut-être en Corée du Sud, il y a une place. Il y a du monde. Il y a rien. Pourquoi? C'est pas la Corée du Nord, quoi, mais... Oh... C'est où, alors? Ouais, c'est en Corée du Nord. Ouais, c'est où? Ouais. Non, ok, fait que Shanghai, c'est vraiment fucking huge. Shanghai, parce que si tu prends en termes de comparaison, genre New York, c'est comme 8 millions. Et Shanghai, c'est 24. 24. Ça fait 3 fois plus. Ça doit être quand même grand, comme ça. Tu peux le faire, 24? Ça doit être plus grand que... Ça doit être plus grand que New York. Ouais, j'ai calculé avant de dire que c'était 3 fois plus. J'ai comme 8, 16, 24, ok, vu. Moi, tu m'as de l'air bad. C'est mon last dose. C'est horrible. Ah, tu marches jusqu'à là-bas? Ouais. Ah, c'est clair. C'est mais je te dis, ils ont besoin de monde d'hiver. Fait que peut-être ça va pas marcher tout de suite, mais c'est comme moi, j'ai envoyé mon CV, puis ils m'ont rappelé genre 2 mois et demi après, genre vraiment. Ah, mais 2 mois et demi après, je pense que j'ai bossé ces choses. Ouais. Oh. Yeah. Parce qu'ils vont avoir besoin de monde, mais quand tout le monde va quitter. Peut-être que tout le monde a déjà quitté, actually. C'est du monde, ça fait un bout que j'ai pas vu. Yeah. Enfin, je sais pas s'ils sont encore là. C'est moi, ils essaient déjà d'en faire un peu aussi. Ouais, puis ils commencent à faire froid avec. En fait, tout le monde est comme fucking shit, mais c'est vraiment pas super comme ça. Bah, c'est 3/4 du temps, t'es dans le truc. T'es plus dans le truc tout le temps? T'es tout le temps dans le truc.
Des fois, tu rentres dans une place, puis il faut sortir quelque chose. Mais c'est comme, tu sors pas pendant longtemps, genre, tu fais juste prendre la paire, tu marches jusqu'au camion, tu crises dedans, puis tu rentres à l'intérieur pour aller chercher autre chose. Merci. Ouais, ça a duré genre 5 minutes. Au moins, dans le camion, il fait chaud. Pas vraiment. Non. C'est un peu le camion. You wish. Il doit faire combien de camions si tu veux longtemps? Non, c'est pas si payant. Là. Ouais, pour l'instant, c'est pas si payant, mais c'est sérieux. Non, c'est ça. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais il va faire froid là. Toi, c'est jamais si pire si tu sors ton t-shirt. Ouais, je pense. De toute façon, je pense pas. Ouais, l'autre personne est en manteau là. Il y a des gens qui sont en manteau. Il y a des gens qui sont en manteau, c'est vrai. Oh non, rien. Chongyang. Chongqing, 30 millions. Ça, c'est un nom d'affaire, 30 millions. C'est-tu une place en Chine avec? Ouais, c'est Chine. Donc, au fond, la Chine a une place, il y a plus de place, il y a plus de monde que fucking Shanghai, puis on connaissait même pas. Shanghai, c'est en Chine. Ouais. Ça, c'est où? C'est en Chine. En Chine, ça me semble. Mais celle-là, on la connaissait même pas. Il y a 30 millions de personnes qui vivent là. Ouais, c'est vrai, je sais pas. En fait, c'est ça la place à visiter, mais tout le monde va à Shanghai comme des cons. Chinking. 30 millions. Il y a moins de gens. Ouais, 30 millions. C'est... 30 millions, c'est ridicule. C'est une photo des rues, là? Presque 4 fois plus que New York. Presque. C'est genre une fourmilière, alors. Ah, bah, ça, c'est pas si peur. Non, mais si tu regardes les immeubles à côté, genre, ouais, c'est juste comme. C'est des immeubles à un fini étage partout, genre, il y a juste ça. Ça a l'air riche. Chongqing. Ah, ça, c'est les shopping streets. Les shopping streets. Shopping streets. Ça sent bon. C'est des rues complètes, là. Des rues de shopping, genre. C'est ridicule! Tout ce que des gratte-ciels, il y a juste ça, genre. What the fuck? Oh. Ça a l'air futuriste. Ça, ça a pas l'air futuriste. Oh. Oh ouais. Motherfucker. Oh, ça c'est un peu plus beau. The old streets. C'est une vieille street. C'est pour ça que c'est pas... C'est comme que des maisons à deux étages. Wow, ça c'est quand même nice. Oh shit. Ok, mais c'est comme New York, genre c'est comme un package. Ah, oh, c'est une belle. Ouais, c'est comme les gratte-ciels. C'est un peu les gratte-ciels, c'est une belle idée. Et ciao. Ciao. Oh. Et chef. Bye. Et on veut bien vous dire à la prochaine. À la prochaine, bro. Je pense que c'est un peu de... Non, avec tout that shit, oui.